Tu sais comment les passions ruinent les vies. You know how passion destroys lives. Détruisent les carrières. Destroys careers. Rendant chaque passionné aveugle. Making each passionate person blind. Aveugle. Blind. Têtu. And stubborn. Et inutile. And useless. Va donc maintenant. Therefore, tu es délivré. You are delivered. Va ouvrir les yeux. Go, open the eyes. J'ai ouvert tes yeux. I opened toi the aussi. Eyes. You also. Va ouvrir les go, yeux. Open the eyes. Après s'être dégagé des passions de la jeunesse, il faut maintenant connaître la mission que le Seigneur donne à ses enfants sur la terre. Et en réponse à cette question, le modèle de l'appel du Seigneur à Paul a servi de cas d'école pour établir les jeunes dans leur mission en tant que témoins des choses qu'ils ont vues et entendues de la part du Seigneur Jésus. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi. Rise up. Et tiens-toi sur tes pieds. And stand on your feet. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Alléluia. Praise the Lord. Continue. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et dit, je te suis apparu. He said, I appeared to you. Pour faire de toi un témoin. To make of you un a witness. Ministre. A minister. Un conquérant, a conqueror, un gaillard d'âme, un grand influenceur, a great influencer. Tu seras témoin des choses que tu as vues. You will be a witness of the things that you saw. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. And have a lot of other things to show you. Tu seras témoin de tout ce que je vais te montrer. You will be a witness of all these things that I will show you. Frère, brethren, que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu es témoin. You are witness des choses que tu as vues. Of the things you have seen. Et des choses pour lesquelles Jésus t'a apparu. And the things for which Jesus appeared to you. Tu es témoin. You are witness. Jésus t'est apparu. Jesus appeared to you. Pour faire de toi un ministre. To make of you a minister. Jésus nous a appelés et nous a établis pour une mission claire. Il nous a choisis du milieu des païens, de nos familles respectives, afin que nous leur ouvrons les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Christ le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et c'est pour atteindre cet objectif que les disciples doivent être engagés à proclamer la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, à l'exemple de l'apôtre Paul. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il dit, je t'arrache de la famille idolâtre. He said, I snatch you from the idolatrous, the idolatry family. Je t'enlève de ton environnement malsain. I take you out of your evil, your insane environment. Je t'enlève de ton environnement idolâtre, prostitué. I take you out of your environment, which is idolatry and prostitute. Et je t'envoie. Continue. Continue. Afin que tu leur ouvres les yeux. Et je t'envoie dans le même milieu où tu es sorti. And I send you back in the same environment from which you came out. Je te prends de ton village. I take you from your village. Et je t'établis. And I appoint you. Ministre. Minister. Et témoin. And witness. De tout ce qui me concerne. Of all that concerns me. Et je te dis. And I tell you. Retourne donc. Go back there. Là-bas. There. Chez tes parents. To your parents, chez tes amis, to your friends, dans ton milieu, in your environment, là où je t'ai trouvé, that place where I found retourne you. Là-bas, go back there, pour faire quoi? To do what? Afin que tu leur ouvres les va yeux. Va ouvrir les yeux. Go open the eyes. Je t'envoie. I send you pour que tu ailles ouvrir les yeux. For you to go and open the eyes. On ne peut rien devenir. You can become nothing. Si l'on ne comprend pas que Jésus nous a choisis. If you don't understand that Jesus has chosen you and has appointed you pour une mission claire, for a clear mission, tu vas perdre le temps sur la terre. You will waste your time on earth. Tu dis, je ne sais pas quel est mon but. Je ne sais pas quel est mon but. You say, I don't know what is my goal. I don't know what is my goal. Jésus te dit, Jesus tells you, je t'ai pris du milieu des pécheurs. I took you from the midst of the sinners. Et je t'ai fait voir ma grâce. And I made you see my grace. Touché à mes compassions. You
touched my compassion. Tu sais comment la culpabilité ronge les cœurs. You know how guilt destroys hearts. Va travailler. Go work. Pour que les hommes so that people passent des ténèbres will go from à la lumière. To light. C'est ton travail. This is your work. C'est ta mission. It's your mission. C'est ta carrière. It is your career. La nouvelle carrière. Your new career. Quand Jésus te touche de cette manière, when Jesus touches you that way, il te transforme. He transforms you, il change ton itinéraire. And he changes your way, il change tes ambitions. He changes your ambitions, il change tes passions. He changes your passions. Ça doit s'opérer de cette manière. This must be operated that sinon, way. Otherwise, il n'y a pas eu de conversion. There have not been any conversion. Il n'y a pas eu de conversion. There have been no conversion. À ce niveau de son message, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire a mis en lumière les distinctions à faire entre la repentance et la conversion, insistant sur le fait que après la repentance, tous les croyants sont invités à la conversion à Dieu, ce que l'orateur a clairement expliqué au cours de son message. Relisez encore très bien la Bible. Read the Bible very well again. La conversion. Conversion. N'a rien à voir avec les péchés. Has nothing to do with sin. C'est la repentance qui permet à l'homme de régler les problèmes du péché. It is repentance that allows man to settle the matters concerning la sin. Vraie conversion. Genuine conversion. Travail. Work. Pour que l'être humain appartienne totalement à Dieu. For human being to totally belong to God. Ses projets, ses ambitions, ses amours. His projects, his ambitions, his affections. Ses passions. His passions. Doivent être transformés. Must be transformed. Si ce n'est pas transformé, if it is not transformed, on dit qu'il n'est pas converti. We say that he is not converted. Quand tu vis dans le péché, when you live in sin, on dit qu'il ne s'est jamais repenti. We say that he has never repented. Il ne s'est jamais repenti. He has never repented. Quand tu aimes le monde, when you love the world, tes passions sont dans le monde. Your passions are in the world. Tu n'as pas encore connu la conversion. You have not known conversion yet. On parle donc de la foi authentique en Jésus. We therefore talk about genuine faith in Jesus. De la repentance envers Dieu. Repentance toward God. Et de la conversion à Dieu. And conversion to God. Nous sommes en train de régler ici l'un des points relative à la conversion à Dieu. We are settling here one of the points that are related to the conversion to God. Un jeune homme qui est déjà sauvé. A young man who is already saved. On lui dit, he is told, tout est permis. All is allowed. Mais tout n'est pas utile. But all is not useful. N'aime pas n'importe quoi. Ne dis pas ce n'est pas interdit. Tu entres dedans. Do not love just anything and do not say that it is not forbidden and you get tout in it. Est permis. All is allowed. Tout n'édifie pas. But all does not edify. Là, ça rentre dans le domaine de la maturation spirituelle. This gets into the domain of spiritual maturation. J'ai la liberté. I have freedom. D'écouter. To listen. Telle chose. Such a thing. Mais elle ne m'édifie pas. But it doesn't edify. Donc je ne l'écouterai pas. So I will not listen to it. Je ne l'écouterai pas. I will not listen. J'ai la liberté. I have the freedom. D'aller à tel endroit. To go to such a place. Mais ça ne m'édifie pas. But it doesn't edify. Je n'irai pas. So I will not go there. Quand on y arrive. When you get. C'est ça qu'on appelle la vraie conversion. To that point, this is what we call genuine conversion. C'est ça qui fait de toi un conquérant. It is this. It is that makes of you a conqueror. Que ta vie, that your life, si quelqu'un s'amuse à t'observer, if somebody tries il to va se convertir. Observe you, he will be converted. Les richesses recueillies par les jeunes qui ont pris part au camp biblique national sont donc immenses, étant donné qu'il a été l'occasion pour conduire les frères dans les secrets de l'expérience de la vraie conversion à Christ, la séparation d'avec les passions charnelles et mondaines, une manifestation pratique de ce que c'est que la vraie conversion à Christ, ce à quoi est appelé tous les croyants qui sont censés tous être des conquérants pour le Seigneur Jésus-Christ.